c'est le slogan du jour. Faut faire un effort, le banquier, faut démissionner. Une réponse aux propos tenus par Emmanuel Macron hier lors de la traditionnelle galette des rois de l'Élysée. Notre jeunesse, elle a besoin qu'on lui enseigne le sens de l'effort. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Une petite phrase qui ne passe pas à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Et je pense que c'est plutôt lui qui devrait faire un effort parce que c'est pas un bon président. Le sens de l'effort, je pense qu'on en fait assez d'efforts. Par contre, le gouvernement, que ce qu'il consomme et ce qu'il dépense, il n'en fait pas du tout. Catherine participe à toutes les manifestations organisées à Calais. Au chômage depuis plusieurs années, les propos d'Emmanuel Macron l'ont blessée. On doit toujours prouver, c'est normal qu'on cherche du travail, mais on nous menace d'accepter, il faut traverser la rue pour trouver du travail. Moi je veux bien, j'ai traversé la rue, mais si vous voulez, moi j'ai 60 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme formation ? Comme elle, près de 150 personnes ont traversé Calais ce matin. Une marche pacifique, parfois en famille, pour interpeller le gouvernement. Ici, la mobilisation ne faiblit pas. J'arrêterai pas pour mes enfants, l'avenir de mes enfants, j'arrêterai pas, je serai dehors jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. La plupart d'entre eux seront de retour dans les rues samedi prochain pour lancer la 10e semaine du mouvement.